Si no, després se'ns oblida gravar i se n'endrama. I després, això, jo ara afegiré a tothom els assistents i quan tregui la caràtula aquesta, doncs tu comences a parlar i ja està. Molt bé. No té més misteri. Vale, doncs en dos segons els dono pas a tothom. Vale? Fins ara. Bé, bon dia a tothom i benvinguts. Bonjour, bonjour à tous et soyez les bienvenus tous et toutes à cet événement où nous allons parler donc de la place, de la possible place occupée aujourd'hui par les femmes dans la vie politique parlementaire organisée par le gouvernement catalan en Suisse. La journée donc internationale des femmes. La présence des femmes a beaucoup avancé pendant les dernières décennies, surtout dans les pays où il y a la démocratie représentative. Cependant, d'après les derniers rapports, les femmes participent encore d'une façon très limitée dans les structures de pouvoir, étant donné qu'elles occupent uniquement 18% des postes ministériels et 20 et quelques pourcents des postes parlementaires. Elles sont donc exclues de beaucoup de postes. Il y a donc beaucoup de travail, trop de travail à faire, et c'est pour cela qu'il faut favoriser des espaces pour le dialogue, pour la réflexion par rapport à la place de la femme sur la scène politique, comme nous allons faire aujourd'hui, où nous allons parler des femmes donc catalanes et suisses dans le cadre politique. C'est une journée très importante pour partager des stratégies et pour changer la donne. En plus, il s'agit d'un vrai privilège de pouvoir être accompagné de ces femmes qui luttent, de ces référents, de ces femmes qui vraiment sont un référentiel et qui nous accompagnent aujourd'hui. Tout d'abord, la professeure chaire du département de sciences politiques et sociales, Madame Tania Bergia, et au fait, j'aimerais publiquement la soutenir face à la persécution généralisée contre tout ce qui a trait aux événements du 1er octobre. Et j'aimerais donc l'embrasser ici virtuellement. Tania, merci, merci d'être là et merci d'être aux côtés de la démocratie. Tania va donc faire une première présentation. Après, nous aurons un débat entre Jeanne Díaz et Susana Segovia, députée du Parlement de Catalogne, Madame Dilara Berac, députée au Parlement à Genève, et Madame Géraldine Beucha, députée au Parlement du canton du Jura. Merci beaucoup à toutes les quatre d'avoir accepter cette invitation, une grande reconnaissance de la part de la aussi pour la délégation catalane en Suisse, et merci aussi à toutes les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui. Et donc, sans plus, j'aimerais passer la parole à notre délégué, Monsieur Gabriel Boischat, délégué du gouvernement catalan en Suisse, qui va faire l'inauguration de notre conférence. Oui, bonjour, merci Madame la secrétaire. Moi, avant de commencer ma présentation, j'aimerais prononcer deux commentaires de type logistique. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, sachez que vous pouvez suivre les interventions en catalan ou en français. Vous avez la traduction simultanée si cela vous intéresse. Et pour choisir la langue, vous devez tout simplement, en bas à droite, il y a un globe. C'est une icône du globe du monde. Si vous faites clic dessus, là, vous pouvez choisir le catalan ou le français. Et vous devez choisir donc la langue dans laquelle vous souhaitez suivre la conférence aujourd'hui. À partir de là, vous pourrez donc suivre toutes les interventions. D'un autre côté, à la fin de notre conférence, nous allons avoir aussi un tour de table. Et pour poser vos questions ou faire vos commentaires, nous vous souhaitons, s'il vous plaît, de le faire sur le chat. Et après, la modératrice donc posera la question à l'intervenant ou intervenante souhaitée.
Et donc, sans plus, nous voulons vraiment profiter au maximum de notre temps pour pouvoir écouter les 6 femmes qui prendront la parole le 8 mars. Ce n'est pas une journée qu'il faut tout simplement condamner aux oubliettes le reste de l'année, parce que le plafond en verre, les abus, les violences se produisent tous les jours contre les femmes. Et c'est pour cela que le 8 mars est une journée pour montrer que notre monde doit être libre de violence. Nous voulons aussi donc profiter de cette journée pour dénoncer le patriarcat qui existe encore. Et nous voulons aussi insister sur l'importance du 8 mars. 10 femmes ont été assassinées en 2020 à cause de la violence de genre, la violence domestique. Les femmes sont encore aujourd'hui celles qui occupent les premiers postes dans la lutte contre la COVID, même si elles sont souvent précarisées, invisibilisées. Et donc, c'est pour cela que les femmes sont tombées davantage malades. En Suisse, après les élections au canton du Valais, il n'y aura pas de femmes dans l'exécutif de ce canton. Donc, les femmes, en fait, se reflètent dans le miroir des institutions. Et nous pensons donc qu'il faut vraiment essayer de faire en sorte que les femmes aient une représentation dans les structures de pouvoir. Comme le disait Carme Colomina, la journaliste, ce qu'il faut transformer, c'est notre façon de comprendre le pouvoir et de l'exercer. Une des activités principales de notre délégation, c'est d'ouvrir d'espaces de dialogue entre la Catalogne et la Suisse. C'est pour cela que notre délégation souhaite contribuer avec un petit grain de sel vers une société beaucoup plus féministe, où les femmes vont aujourd'hui se manifester. Il faut savoir donc que les institutions, le Parlement sont des espaces où le pouvoir a été exercé et construit par les hommes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons discuter au sujet de la réalité auxquelles font face les femmes qui nous représentent dans ces institutions. Aujourd'hui, que nous commémorons le 50e anniversaire du suffrage universel en Suisse. La Catalogne et la Suisse sont deux pays très différents, mais comme vous allez voir, le patriarcat est présent dans les institutions des deux pays. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons invité deux députés du Parlement catalan, une représentante parlementaire du canton de Genève et une autre représentante du canton du Jura, car nous voulons, grâce à leur expérience, savoir ce que cela signifie d'exercer le pouvoir. Et nous voulons remercier les femmes qui interviendront aujourd'hui, la secrétaire d'Action extérieure et Union européenne, Elisabeth Nebreda, et toute l'équipe, surtout Amanda Gavilanes, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui nous puissions être tous et toutes ici. Merci. Et sans plus, je vais passer la parole à Madame Tania Berger pour qu'elle puisse faire son intervention. Oui, bonjour, bonjour et merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée à cet événement. Un 8 mars très revendicatif. En fait, en Catalogne, nous sommes en grève. Après donc notre conférence, nous allons rejoindre les manifestations qui se produiront dans la rue. J'aimerais commencer mon intervention en mettant en relief qu'il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un chiffre record de députés dans le monde, mais il faut faire attention parce que d'après l'Union parlementaire, cela représente plus ou moins 25% des femmes. Donc, il faudra encore attendre 50 ans pour parvenir à l'égalité. Dans certains pays, nous dépassons la moyenne. En Catalogne, plus de 40 ans ont dû s'écouler pour avoir un 47,7% de députés. Et en Suisse, il y a 42% de députés qui sont des femmes. Mais malgré tout, dans la plupart des parlements, la représentation ne parvient même pas à la moyenne. Tout cela, c'est le fruit de la lutte féministe et aussi le droit pour l'égalité institutionnelle. Mais il ne s'agit pas seulement d'une question de présence.
C'est ce que je vais mettre en exergue dans ma présentation. Il faut savoir que les partis et les parlements ont été occupés par des hommes pendant plusieurs décennies, pendant des siècles même dans beaucoup de pays. Et c'est pour cela que tout est commandé par les patrons masculins hégémoniques. L'égalité est hors de question. Elle doit exister. Nous savons en plus que souvent les hommes sont recrutés uniquement parce qu'il s'agit d'hommes, parce qu'ils partagent des réseaux masculins, et ce n'est pas une question de méritocratie, c'est parce que il y a simplement le critère masculin qui s'impose. Et donc la question des quotas législatifs, malgré tout, ne parviennent pas à mettre frein à l'hégémonie masculine en politique. Et lorsque je parle des hommes, je ne parle pas des hommes en général, mais je parle de l'idée de la masculinité hégémonique qui a défini les règles du jeu au bénéfice, au profit des hommes. Donc, cette idée c'est une condition donc indispensable. Sans la présence, évidemment, des femmes, on ne peut pas changer la façon de faire de la politique. C'est aussi une façon disruptive d'éviter qu'il n'y ait que des modèles de comportement utiles pour une partie de la population. Et cette présence des femmes en elle-même, malgré tout, n'est pas suffisante pour transformer la politique. Et c'est pour cette raison que je pense qu'il est nécessaire de nous approprier peut-être des termes, de changer les termes. Peut-être qu'au lieu de parler de féminiser la politique, il faut parler de supprimer le patriarcat. Il faut commencer par une analyse féministe du pouvoir pour comprendre comment le fonctionnement patriarcal de la politique fonctionne et pour pouvoir donc le démanteler. Pour pouvoir comprendre comment fonctionne la politique de genre dans les institutions, il faut tout d'abord comprendre comment le pouvoir s'articule autour de la question du genre et comment donc s'organise la distribution des opportunités, des ressources, des connaissances. Par le passage du temps, tout ceci se dénaturalise et donc on finit par définir les conditions simplement par élection. C'est un peu ce qu'on appelle le sexisme institutionnalisé, c'est-à-dire ce sexisme est inaperçu pour le groupe prééminent et il se base sur une série de règles formelles, des règles écrites ou des règles informelles, des règles non écrites, nuancées par le genre et qui supposent une ségrégation verticale et horizontale dans les postes à responsabilité ou par exemple les doubles façons d'évaluer les possibilités pour exercer un poste. Parfois, nous avons aussi des règles apparemment neutrales, mais comme par exemple cette idée endocentrique de la liberté d'expression qui permet de normaliser comme une partie de la dispute politique les attaques machistes. Ou par exemple, le fait d'occuper un poste public dépend uniquement d'un 100% de disponibilité de son temps. Je parle donc des situations que nous voyons dans les institutions, ce qui ne se correspond pas du tout avec l'approche féministe. Par exemple, quel est le travail qui n'a pas besoin d'horaire d'entrée et de sortie? Donc, le travail où il n'y a pas, par exemple, de congé de paternité ou de maternité, les espaces politiques, institutionnels, les parlements, les municipalités, les mairies, les institutions publiques, ce ne sont pas des tables rases désincarnées. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de mettre un panneau disant genre à la porte de ces institutions. La politique institutionnelle, c'est comme je dis, c'est un endroit de travail pour le travail ou pour les hommes et les femmes qui ont fait ce pas donc une fois dans leur vie pour une question d'engagement social et politique. Nous ne pouvons pas donc laisser le genre à la porte parce que le genre est un principe organisatif de distribution qui distribue les avantages et les désavantages et également les différentes nuances qui ne sont pas toujours visibles, parfois subtiles. C'est pour cela qu'ils ne sont pas toujours condamnés.
Et c'est ce que nous disons, n'est-ce pas, le privilège du privilège fait qu'il est invisible pour le groupe privilégié. Parfois, ces biais sont beaucoup plus subtils, comme nous en parlerons avec les députés, et se manifestent sous différentes formes de violence machiste, sexuelle, symbolique, etc. Que se passe-t-il donc lorsque les femmes rentrent dans la politique institutionnelle et lorsque l'égalité des chances ne se produit pas? C'est un peu comme l'attaque à la Bastille ou du palais d'hiver. Non, pas du tout. Parce que pour commencer à démanteler tout cela, il faut d'abord le nommer. Et lorsqu'on parle de le nommer, cela veut dire que les femmes ne peuvent pas sentir que tout cela dépend d'elles, qu'il s'agit d'une situation individuelle qui provoque un manque de confort. Pour ne pas tomber, donc pour que les femmes ne tombent pas constamment dans ce sentiment de culpabilité parce qu'elles n'arrivent pas à tout, pour identifier aussi les techniques de domination, les interruptions, les appropriations des arguments des femmes de la part des hommes ou l'identification du harcèlement psychologique machiste au lieu d'une simple dispute entre courants des partis politiques. Cette prise de conscience peut se produire ou ne pas se produire. C'est pour cela que nous trouvons parfois des femmes politiques qui suivent aussi les patrons masculins dominants dans la façon de libérer. Et cela ne doit pas nous surprendre parce que la société nous a éduqués tous et toutes dans cette culture machiste patriarcale pour reproduire l'ordre patriarcal. Ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est de refuser de le faire. Mais d'abord, il faut une prise de conscience. Et cette prise de conscience, lorsque nous l'avons, nous mène aussi à de nouvelles questions. Est-ce que les institutions et les partis peuvent être considérés démocratiques à l'interne si les femmes doivent encore faire face à une course d'obstacles pour exercer leurs responsabilités politiques? Est-ce que la violence contre les femmes dans la sphère politique est le prix à payer pour être dans la politique? Est-ce que l'on peut faire des politiques féministes si ces politiques ne tiennent pas compte de ces principes d'approche féministe? Je pense qu'il ne s'agit pas de questions rhétoriques. Je pense que les questions vont dans une même direction. Seulement en supprimant le patriarcat dans la politique, les partis, les gouvernements, les institutions, toutes les administrations feront en sorte que cet espace devienne un espace habitable pour les femmes, où les femmes pourront y consacrer un temps de leur vie. Seulement en supprimant le patriarcat, pourrons-nous faire des politiques féministes. S'il y a beaucoup de femmes féministes dans les espaces de pouvoir, alors on pourra faire une transformation radicale de la politique. Cette question du genre dans les institutions fait partie d'un système d'inégalité beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, comme ceci a déjà été souligné par plusieurs écrivaines et auteurs pendant des siècles. Nous voyons donc ce système d'inégalité dans plusieurs marques, des marques qui nous définissent et qui font partie de différents systèmes d'oppression, par exemple le racisme, l'orientation sexuelle, l'orientation de genre, la phobie aux homosexuels, parce que les relations de pouvoir en politique ne sont pas seulement teintées de machisme, mais aussi de racisme, d'autres tendismes. Il faut donc essayer de lutter contre toutes ces discriminations. En fait, chacun peut travailler depuis son propre parlement, depuis l'Assemblée où elle se trouve. Combien de postes politiques, par exemple, pouvez-vous identifier comme ayant des marques d'identité discriminées par les sociétés? Quelles sont donc les attentes de tous ces groupes discriminés dans les politiques publiques? Oui, il s'agit de questions rhétoriques, en fait, parce que les réponses, nous les savons. Il y a très peu de postes, ces postes ont très peu de visibilité et mériteraient beaucoup plus d'attention par rapport à leurs besoins, par
rapport à leurs attentes. Nous parlons ici d'ensemble important de la population. Je fais donc là un appel à l'action parce que, par définition, et aujourd'hui nous sommes le 8 mars, mais comme le disait Gabriel Boischat, il faut rappeler ça pendant toute l'année. Donc, si les femmes qui entrent en politique sont non seulement des femmes, mais aussi diverses, avec une approche féministe, elles pourront changer la politique et les politiques publiques. Ceci dit, donc, il faut supprimer le patriarcat en politique et toutes les formes de discrimination qui y régissent. Il s'agit d'une question d'urgence. Si nous ne supprimons pas le patriarcat dans la politique et dans les partis, nous allons continuer à limiter les droits à participation politique. Et ces droits, non seulement des députés ou des autres femmes qui se consacrent à la politique dans différentes institutions, mairies, gouvernements, en tant que fonctionnaires, donc de l'administration publique, de l'administration parlementaire, les militantes des partis, non seulement celles-ci, mais aussi le droit de toutes les citoyennes à pouvoir exercer leurs droits politiques en liberté complète, sans subir des discriminations, sans subir différentes formes de violence, sans devoir payer ce prix, entre guillemets, que les sociétés démocratiques ne souhaitent pas. Pendant plusieurs années, nous avons signalé les pays où le suffrage n'était pas universel. Nous avons considéré que les pays où les femmes étaient très sous-représentées, ou plutôt dit, les hommes étaient très surreprésentés. Et malgré tout, nous avons dit que ces pays étaient des démocraties. Je pense donc qu'une troisième phase, ce serait de parler de la qualité démocratique de ces institutions, des institutions qui doivent être des référents dans la lutte pour l'égalité des sexes, l'égalité des chances. C'est un mandat. Et je pense qu'en ce sens, il faut que les femmes qui ont un poste en politique doivent devenir vraiment un référent pour garantir les droits de participation politique de tout l'ensemble des citoyennes. Étant donné que la partie la plus intéressante, c'est vraiment d'écouter les députées et comment elles vivent elles-mêmes leurs expériences en première personne et comment tirer des exemples de toutes ces situations quotidiennes et normaliser que nous ne voyons pas, si personne ne nous les explique, j'aimerais maintenant lancer poser une première question qui peut peut-être avoir deux côtés, deux faces. Ma première question serait, est-ce que dans votre travail en tant que députée, vous vous êtes sentie comme des femmes qui envahissaient l'espace? Donc, cette idée de briser, n'est-ce pas, ce modèle idéal pour être dans les institutions avec les différentes caractéristiques, genre, âge, institution familiale, orientation sexuelle, etc. Si vous avez donc senti que vous envahissiez donc cet espace et comme si vous envahissiez donc ces espaces et si vous avez identifié dans ces espaces-là, des règles informelles, non écrites, qui peuvent être des pratiques, des rituels, des conventions dans les parlements ou les partis politiques et qui donnent toujours cet avantage aux hommes et les désavantages aux femmes. Si vous êtes d'accord, donc, nous allons alterner à une députée catalane et après donc une députée suisse. Et nous allons donc commencer par Dilara Berac. S'il vous plaît, vous avez la parole. Com ens fan sentir invasores d'espais i aquestes regles informals. Donc, c'est une question déjà pour savoir comment on se sent à cet égard. Donc, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Tania, pour la question. Merci beaucoup pour l'invitation et l'organisation de cet événement très intéressant et très crucial justement pour promouvoir le féminisme dans différentes institutions, qu'elles soient en Suisse ou en Catalogne. Alors, à titre personnel, je pense que je vais directement mettre les pieds dans le plat et dire qu'effectivement, il y a ces règles informelles. On les subit de plein fouet quand on arrive dans les parlements cantonaux. Moi, je suis députée au Grand Conseil de Genève, et Genève, c'est synonyme de droits de l'homme, c'est synonyme de convention, d'ouverture, de progression, et il se trouve que, effectivement, dans le Parlement, les choses sont bien différentes.
Ben, vous pouvez le voir, moi je suis assez jeune, je suis la Benjamine du Parlement Genevois, j'ai 23 ans. Donc les règles auxquelles je me suis confrontée, j'ai toujours eu de la peine à différencier si c'était à cause de mon âge ou si c'était parce que j'étais une jeune femme. Je peux en citer quelques-unes. Je pense que celle qui m'a le plus choquée, c'est quand en plein travail parlementaire, donc en commission, un des députés, un de mes collègues se retourne vers moi et puis qui me demande comment je trouvais sexuellement un autre député collègue. Et c'est très choquant parce que sur le moment, ben voilà, le premier réflexe féministe, c'est de dire non mais ça va pas, pourquoi vous me posez cette question? On est dans un cadre professionnel, très formel, on doit faire notre travail. Et il se trouve qu'on ne peut pas répondre ça dans le contexte parlementaire parce que si on répond comme ça, eh bien, on va se faire tamponner de féminazie, féministe, extrémiste, je ne sais quoi, et donc se faire exclure de tous les débats parlementaires par la suite. Et ça, c'est une des règles les plus douloureuses, je pense, parce qu'on a envie de se défendre, on a envie de leur dire, écoutez, là, c'est limite quand même, mais on ne peut pas parce que ça va nuire à notre travail parlementaire par la suite. J'ai beaucoup, beaucoup d'exemples de ce type-là où ben, là, je dois procéder à une sorte d'autocensure où voilà, je ne peux pas dire les choses comme elles sont. Et d'un côté, je me sens aussi mal à l'aise parce que je sens bien que c'est pas malveillant, ces personnes-là, quand elles me posent ces questions, c'est pas un gros sexiste comme on peut l'imaginer qui me pose ces questions, c'est une personne qui vient d'une autre génération qui me demande ça parce que culturellement, et ben, sociétalement, puis dans les règles sociales parlementaires, et bien c'est pas tabou de poser ce genre de questions à des jeunes femmes. Et donc on se sent tout de suite mal à l'aise parce que si on leur dit le mot interdit sexiste, eh bien ils vont mal le prendre parce que eh ben voilà, ils ont une autre image d'une personne qui peut être considérée sexiste. Et ça, c'est un autre obstacle qui est très difficile pour les féministes au sein des parlements, c'est qu'on ne peut pas nommer les choses comme elles sont au risque de blesser la personne. Vous allez me dire, bah oui, bah blessez-la, mais encore une fois, le problème est le même, c'est qu'après, on se retrouve exclu des discussions parlementaires et tout le travail qu'on peut faire en tant que jeune femme élue, eh bien, il se trouve amputé parce qu'on ne va pas être pris au sérieux, parce qu'on sera tout de suite fiché comme extrémiste féministe qui vient avec ses idées de gauche. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle est déjà au Grand Conseil, elle est déjà élue, elle est déjà parmi nous. On va nous faire croire qu'on est en train de surfer sur une vague féministe, de dire que voilà, on profite de toutes ces idées pour notre propre électorat, pour notre intérêt personnel. Voilà. Moltes gràcies, seguim sumant. Merci beaucoup. On continue avec ces expériences en première personne. Susana Segovia, députée du Parlement de la Catalogne. Vous avez la parole. Hola. Bonjour. Vous m'entendez? On vous entend, mais on ne vous voit pas. Maintenant, parfait, excusez-moi. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier la réalisation de cet événement. Ça me semble particulièrement intéressant, cette combinaison avec des députés suisses et catalanes. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles on s'identifie, effectivement. J'étais en train d'écouter et je m'identifiais avec des anecdotes que j'ai vécues aussi très semblables. Je pense que ce syndrome de l'invasion d'espace dont Tania a parlé, je pensais qu'on peut se sentir qu'on s'impose ou disons que oui, des personnes qui imposent de façon permanente la question du féminisme et des politiques de parité. C'est cette sensation d'avoir l'impression qu'il faut toujours être là, toujours les femmes chargées de sujets de féminisme, et donc on insiste toujours sur la parité, sur ne pas faire des événements où il y a quatre hommes et une seule femme. C'est pas possible qu'on organise un événement où il y a que des hommes, et il faut pas que les référents des sujets, en particulier les sujets sérieux, ne soient que des hommes. On a toujours cette impression
de défendre quelque chose que même si nos propres partis donc défendent, puisque ce sont des organisations qui se déclarent féministes de gauche, il faut quand même toujours insister, insister, insister. Donc, les responsables du féminisme, on insiste une fois et une autre fois sur ces sujets. Et c'est très facile de faire deux pas en arrière. Par exemple, avec les têtes de liste de chaque contrée, c'est très difficile d'avoir ces parités. Souvent, dans les organisations politiques, il y a d'autres intérêts au-delà de la parité. Et il faut, par exemple, on négocie une coalition et tout d'un coup, on se rend compte que les quatre têtes de liste, ce sont des hommes, puisqu'il y a une distribution de quotas politiques et de pouvoir et des équilibres internes des organisations. Et finalement, on se rend compte que, voilà, on a quatre têtes de liste hommes. Et ça arrive dans ma propre organisation. Et lorsqu'on dit on ne peut pas se permettre ce luxe-là, la réponse est, bon, ben, il y a d'autres intérêts, d'autres équilibres. Et puisque la candidate à la Généralitat, c'est déjà une femme, donc il faut faire une liste que nous appelons liste directe, donc des listes où il faut vraiment composer. Donc, on a l'impression qu'on doit défendre constamment ces progrès dans la participation politique de femmes paritaires. Et c'est très difficile d'incorporer malgré tout donc ces principes dans toutes les conversations. Ça fait 3 ans que je suis députée et une des choses qui apparaît constamment, c'est la conciliation, le concept de conciliation de la participation politique avec donc pas seulement la participation à l'institution, mais aussi au sein du parti et la conciliation avec la vie personnelle et de famille. Par exemple, au Parlement ou dans les conseils de Parlement, lorsqu'il y a des horaires, par exemple, où il faut finir à 8h30 le soir, j'insiste toujours qu'il ne faut pas organiser ou il ne faut pas avoir des horaires au Parlement où il n'y a aucune possibilité de conciliation avec la vie familiale et ça va de pair aussi pour le personnel du Parlement. Eh bien, il y avait toujours un autre intérêt politique où, oui, cette loi, il faut la discuter à cette heure-là. Et donc, ce sont des éléments qui passent toujours devant la conciliation. Et dans ces espaces institutionnels, lorsqu'on parle des choses personnelles, si on parle par exemple du fait que j'ai une fille, que je suis fille mère, que je ne peux pas arriver à 9h du soir chez moi parce que ça veut dire que je dois laisser ma fille avec les grands-parents ou avec une copine de l'école ou avec une babysitter. Mais en plus, ma fille veut dîner avec sa mère et donc ça pose des problèmes pour la vie de famille. Lorsqu'on explique ces choses-là, on te regarde comme pour dire, mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être député. Et donc, les devoirs de député, au-dessus de n'importe quelle autre considération, ces devoirs de professionnel doivent primer. Moi, je suis responsable d'organisation de mon parti, de mon organisation politique, et j'ai pu vérifier, après un an de souffrir beaucoup, beaucoup, avec cette sensation de stress, de je n'arrive pas à tout, je fais tout à moitié, je n'y arrive pas, puisqu'il faut être sur le territoire, avoir une présence territoriale. Ça veut dire que la vie organisationnelle du parti finit après la vie professionnelle de personne. Et donc, il faut participer à des assemblées qui commencent à 19h ou à 20h. Et à la fin, j'ai dû démissionner. Et si j'ai arrêté la responsabilité d'organisation au sein de mon parti, c'était parce que c'était tout à fait incompatible avec un minimum de vie familiale et de conciliation. Et donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles souvent, les postes d'organisation des partis sont occupés par des hommes ou des femmes qui n'ont pas de responsabilité familiale, puisque la disponibilité que cela exige rend incompatible cela.
Je parlais avant de la liste qu'on appelle en catalan tirette, et je voulais dire en fait la règle d'alternance des candidatures. En tout cas, ce sont des postes qui ne sont pas prévus pour vraiment compatibiliser la vie professionnelle avec la vie personnelle. Et ça, c'est vraiment un grand problème. Donc, ces postes en politique et dans le Parlement ne sont pas conçus pour cette conciliation. Merci beaucoup, Susana Segovia. Nous allons passer maintenant, nous allons céder la parole à Géraldine Beauchat, députée au Parlement du canton du Jura. Oui, bonjour. Tout d'abord, j'aimerais remercier beaucoup Tania pour sa présentation qui était très intéressante et aussi remercier Amanda et Gabriel pour l'organisation de cette table ronde et pour l'invitation. J'avoue que je me réjouissais beaucoup de cet échange avec des autres députés et de surcroît qui viennent aussi d'une autre région d'Europe. Et c'est extrêmement intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Pour répondre à la question de ce sentiment de se sentir envahisseur dans la politique au niveau parlementaire, c'est un sentiment que j'ai ressenti souvent. Et j'ai aussi le sentiment, à chaque fois que l'on veut mettre un paramètre en lien avec la représentation des femmes par rapport à leurs horaires, par rapport à nos organisations de vie, j'ai souvent le sentiment que je dois quémander. C'est comme si on devait s'excuser de demander d'adapter les horaires quand on a des charges familiales ou autres. Et c'est comme si on devait s'excuser de demander de changer les choses. C'est un premier sentiment qui revient souvent. Et aussi, un autre sentiment, c'est que quand on met en avant la problématique de représentation des femmes, que ce soit dans une commission ou par rapport sur les listes, toutes sortes de choses, souvent, la gente masculine nous fait comprendre mais il n'y a pas de problème, on veut des femmes, mais en fait, c'est elles qui ne veulent pas venir. Et là, non, je pense que c'est parce qu'on doit changer notre mode de pratiquer la politique, l'adapter aussi aux besoins des femmes, et sans doute là, il y aurait plus de femmes. Mais souvent, les hommes pensent qu'il n'y a pas de problème, qu'on relève des problèmes là où il n'y en a pas. Et c'est quelque chose qui me semble qui ressort souvent. À titre d'exemple, dans le canton du Jura, le gouvernement vient de dire qu'ils veulent des quotas des femmes dans les commissions de représentation de l'État. Parce que ça n'existe tout simplement pas. Et beaucoup de gens ont dit, mais il n'y a pas besoin, qu'est-ce qu'on va faire ça, ça joue bien. Mais non, ça ne joue pas, il n'y a pas de représentation égalitaire des femmes dans ces commissions qui représentent l'État, et il y a vraiment un besoin que les femmes intègrent ces commissions. Et là, on a entendu beaucoup de gens, enfin, on est venu vers moi, mais comment veux-tu qu'on fasse pour mettre autant de femmes que d'hommes dans ces commissions ? En fait, alors qu'on connaît qu'il y a des femmes qui ont des capacités d'entrer dans ces commissions, on retourne la vapeur et on dit mais c'est elles qui ne veulent pas y aller. C'est faux, il faut simplement aller chercher ces femmes pour que ces compétences, on puisse les mettre en valeur dans ces commissions et aussi aborder les problématiques en lien avec les sujets qui doivent être défendus avec les visions des deux sexes. Et ça, rien que de demander qu'il y ait ces représentations égalitaires, on a dit entre 40 et 60% dans ces commissions-là, ça cause tout de suite un problème parce qu'on doit changer et en fait, on retourne la vapeur. C'est, en guillemets, la faute des femmes parce qu'elles ne veulent pas y aller. Et c'est marrant qu'on... Enfin, marrant, oui et non, mais c'est encore, on voit qu'il y a encore un long chemin à faire pour que ça soit un acquis, pour que ça coule de source, qu'on n'ait même plus besoin de se poser ces questions. Et là, il y a encore un grand travail à faire par nous les femmes, mais aussi par les hommes qui nous aident aussi dans cette tâche. Merci beaucoup.
Passem a la diputada Jenn Díaz del Parlament de Catalunya. Merci. Jenn Díaz a la parole. Maintenant, elle vient d'écrire un livre sur la femme et la politique et justement, elle met l'accent sur la méritocratie et l'hostilité des espaces de pouvoir vis-à-vis de femmes et aussi les espaces informels, parce qu'on parlait des règles informelles, mais il y a aussi des espaces informels qui sont pertinents. Bonjour à tous. Merci beaucoup de cet appel, de cette convocation, de nous rapprocher de Genève. Nous sentons ici que c'est un peu une petite partie de notre pays due à l'exil. Merci Tania et merci à toutes les femmes qui font grève, mais qui ont fait aussi une exception pour être ici. Comme Tania disait, j'ai écrit un livre pour parler de ceci. Et souvent, lorsqu'on parle du biais de genre de la politique, on a une tendance à penser, comme dans les cas de violence domestique, que c'est quelque chose de très évident. Et lorsqu'on parle du biais des genres, on parle de harcèlement sexuel, psychologique ou des choses très évidentes. Ces jours-ci, il y a eu une mini-série du cas Merenga, comme il y a 20 ans, une conseillère de Ponferrada a accusé son agresseur, qui était le maire de sa municipalité, et on peut voir comment, depuis lors jusqu'à maintenant, il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Il est évident que lorsque nous parlons de violence domestique, on doit mettre l'accent sur la violence émotionnelle, sexuelle et psychologique, mais dans les cas de la politique, ce qui se passe est que la politique institutionnelle a déjà son propre biais institutionnel. Il y a beaucoup de violence qui ne sont pas explicites de façon évidente. Et la tâche que j'ai voulu faire avec ces livres et qu'on essaye de faire avec ces rencontres est aussi une partie de la raison sous-jacente est que la violence subie par les femmes, violence donc en politique ou domestique, dépend de comment est conçu le système institutionnel, politique et les administrations. Tania en parlait, ça va au-delà, c'est un patron, c'est une façon de faire, c'est une façon de vivre qui est au centre de l'organisation de la politique. Alors, comment cela a un impact sur nous toutes est essentiel. Dès qu'on parle du biais des genres, on parle de la conciliation des horaires et ce n'est pas par hasard. Toutes les choses qui ont été conçues par les hommes pour la représentation politique avaient cette vocation de service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et des consorts de les sphères privées, les femmes, et on commence à envahir les sphères publiques, les normes de les sphères publiques n'ont pas été adaptées à notre présence. Et donc, le fait qu'on y arrive, donc nous donner cette perception qu'on envahissait dans mon cas, j'ai toujours cette impression, ce sentiment. Au début, je n'étais pas très consciente. Quand j'ai dit au début, je parle d'il y a trois ans seulement. Donc, comme ma collègue Susana Segovia, qui est aussi députée du Parlement de la Catalogne, l'impression quand on arrive au Parlement, et Tania en parlait aussi dans son intervention, est que, disons que le problème est que quel autre travail a-t-on eu qui nous oblige à avoir cette présence constante? On pourrait en parler de ceci, donc le capitalisme sauvage, les normes pensées par les systèmes de production, comment il y a des choses qui sont assez incompatibles. Et le problème n'est pas seulement celui-ci, mais il y a aussi un biais des genres. Ce n'est pas seulement le fonctionnement de la politique. Pourquoi, lorsqu'on y arrive, ces sujets sont tout le temps débattus dans nos espaces, mais pas seulement cela, lorsqu'on y est et on envahit cet espace. Et je me souviens pendant quelques jours que j'ai eu l'accès à, j'ai pu préparer un débat électoral de notre candidat, je me sentais obligée à être brillante, à avoir les meilleures idées, parce que autrement, on n'allait pas m'inviter au sein d'un espace où il y avait une information, disons, plus privilégiée et le cercle s'est fermé. Plus le cercle est fermé,
plus on se sent envahisseuse d'espace. Dans mon livre, depuis le premier moment, ce que j'ai tenté de faire, et justement une partie de l'apprentissage a été grâce au débat et diagnostic qui a été fait au Parlement de Catalogne sur le plan d'égalité avec Tania. Et une bonne partie des choses qui, pendant la première année de législature, étaient seulement des sensations qui étaient dues au fait que peut-être j'étais nouvelle, jeune, donc c'était peut-être mon problème. Et après le temps, on se rend compte que ce n'était pas mon problème, c'était tout un système. Et qu'au sein de l'institution, avec toute la correction politique, les problèmes y sont. Alors, comment éliminer les biais des genres qui n'est pas si évident et que, bien évidemment, donc il faut mettre la lumière sur donc la violence machiste plus claire, mais lorsqu'on commence à parler de parité et lorsque sur le débat la méritocratie est présentée, ces mérites sont décidés aussi par eux. Et donc lorsqu'on arrive en politique et on ne remplit pas les critères définis par eux, évidemment, voilà, on n'a pas les règles, parce que moi, je ne veux pas, par exemple, faire un discours en criant, donc je n'ai pas les éléments pour être une bonne oratrice ou communicatrice au sein de la politique. Donc, au début, on pense, c'est moi, je dois apprendre. Donc, ton vocabulaire ne rentre pas, ne casse pas avec la politique. Les faits de poser sur un débat d'une commission de sujets qui sont considérés, disons, limitrophes et tu les mets au centre, c'est ton problème. Et non, à la fin, tu te rends compte que le problème, c'est que les règles ont été définies a priori par les hommes. Donc, au-delà d'un biais de harcèlement ou de violence psychologique, sexuelle ou physique, il y a aussi c'est quelque chose qui va au-delà. Il y a une violence symbolique qui a aussi son poids et que ce design, cette conception hermétique pour que la formule politique n'existe que pour eux, a un biais clair. Avec Susana et avec Tania, on en a parlé et on a travaillé énormément pour que dans la réforme de la violence domestique, la politique y rentre aussi, puisque les politiques publiques contre la violence domestique ont des défis qui sont probablement bien plus urgents donc, que la participation politique, ça c'est évident, mais c'est une violence aussi qui est une leçon pour le reste de la société, puisque au sein de l'institution, on autorise qu'on nous méprise, qu'on nous vole nos idées, qu'on puisse nous intervenir moins au sein des réunions ou à croire que c'est nous qui ne casons pas avec le fait avec la définition d'une bonne députée, par exemple. Donc, je crois que la violence et ces biais des genres du pouvoir n'est pas si explicite et plus subtile. Et donc, tant qu'on n'y est pas rentré d'une façon plus ou moins massive grâce à la discrimination positive, on n'a pas pu avoir ce récit parce que jusque maintenant, même donc, le fait de pourquoi notre participation politique était minoritaire, c'était les hommes qui nous l'expliquaient. Et le fait qu'on puisse arriver et envahir cet espace nous permet de les transformer, pas sans manque de confort, puisqu'on utilise ces verbes, envahir l'espace. Mais chaque fois qu'on envahit un espace, petit à petit, je crois qu'on les conditionne. Le propre fait de notre présence modifie déjà la dynamique de l'espace, même sans ouvrir, même sans rien dire. Et donc, il faut qu'on ait une incidence pour que le débat ne soit pas seulement une question de quotas et de parité et de mérite. Ça va bien au-delà, même en ayant donc, le Parlement le plus paritaire de l'histoire, ça ne veut pas dire que l'institution sera plus féministe. Merci beaucoup. Jane Díaz parlait aussi des violences et des données importantes. 85% de députés ont subi un
types de violences psychologiques. Les 25% ont été harcelés, même un 6% ont subi des agressions sexuelles au long de leur mandat. Et dans les cas du personnel d'administration parlementaire, ces données sont encore plus élevées, plus importantes. Dans les cas de harcèlement sexuel ou des commentaires avec connotation sexuelle, on arriverait même à une sur deux travailleuses de Parlement. Voilà. Donc, et Susana Segovia a parlé des horaires en disant que les horaires n'affectent pas seulement les députés, mais l'ensemble des chambres. Et donc, ça fait partie aussi de formes d'harcèlement. Alors, dans quelle forme de violence machiste, quelles sont les formes que vous avez rencontrées les plus importantes au sein des partis, des parlements, des réseaux sociaux? Pouvez-vous expliquer un peu des cas qui vous ont touché particulièrement au niveau personnel ou qui sont arrivés à d'autres collègues de votre parti ou de l'institution? Comment est-ce que vous vivez ces situations de violence et comment, qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter de normaliser que ceci soit un coût nécessaire pour faire partie de la vie politique? On va inverser maintenant les tours de parole et Susana Segovia a la parole. Merci. Oui, merci. Je pense que c'est un peu ce que disait Jeanne Diaz. Nous avons essayé d'incorporer dans la loi sur les violences machistes en Catalogne la violence politique, mais aussi la violence technologique et la violence numérique. Je pense que dans notre nouvelle façon de faire de la politique, l'entrée dans le monde des réseaux sociaux, l'entrée du virtuel, a supposé un avant et un après, puisque les femmes sont maintenant beaucoup plus exposées à la violence. Tout cela à cause, évidemment, de cette omniprésence du virtuel. J'imagine qu'il serait difficile de trouver des députés n'ayant pas reçu de commentaires par rapport à leur aspect physique, par rapport à leur fréquence, par exemple, de rapports sexuels en fonction de comment elle s'habille, de son aspect extérieur, de sa façon de parler, etc. Il s'agit donc d'une violence que nous recevons, nous, les femmes, pour le simple fait d'être des femmes politiques. Et je dois dire que ce n'est pas la même chose dans le cas des hommes élus, des hommes politiques. Il n'y a pas la même importance ni la même force. Par exemple, si un homme dit quelque chose que les opposants n'aiment pas, en général, il n'y a jamais de commentaires par rapport à la fréquence des rapports sexuels qu'il maintient. Par contre, c'est constant dans le cas des femmes. Et c'est une situation absolument présente. Et en plus, tout cela a beaucoup à voir aussi avec le niveau de projection et d'exposition politique des hommes. Par exemple, dans notre Parlement, la principale représentante de l'opposition, ici, dans notre Parlement, Inés Arrimadas, était absolument soumise à de la violence machiste. Notre mairesse Ada Colau, la même chose. Il y a dans les réseaux sociaux une constante présence de menaces, de violences contre elles. Et nous avons fini par normaliser tout cela. Nous sommes même parvenus à un moment où nous normalisons tout cela et il s'agit de situations violentes, de situations claires d'atteinte à l'égard des femmes. Il s'agit donc de violences qui se produisent dans le monde de la politique institutionnelle. Et je crois qu'aujourd'hui, et c'est une des raisons pour lesquelles le mouvement féministe a beaucoup avancé, c'est là où nous avons pu signaler qu'il s'agit là aussi de violences, que ces cas aussi sont des cas de agression. Donc, je parlerai plutôt de tous ces cas-là plus que de cas d'agression physique traditionnelle. Mais c'est un peu aussi ce que disait Jeanne Diaz. Lorsque nous parlons de violence, souvent nous ne parlons que de ce type de violence, mais il y a aussi d'autres façons d'exprimer de la violence contre les femmes.
par exemple, la hiérarchie dans les espaces institutionnels qui mène les femmes à être absolument donc limitées dans leur participation politique. C'est donc ce mépris, n'est-ce pas? Donc, ces réunions où des hommes et des femmes participent et tu présentes de très bons arguments, personne ne t'écoute. Et deux ou trois intervenants après, il y a un homme qui présente ces mêmes arguments et qui est écouté très attentivement. Nous devons toujours jouer le rôle de réceptrice. Et nous sommes passés ici par une législature où nous avons vu beaucoup de cas ainsi. Par exemple, vendredi, il y a eu une dénonciation contre le responsable du Parti populaire en Catalogne. Nous avons vécu une législature donc ici en Catalogne où des hommes et des femmes ont dénoncé des collègues de leur propre organisation politique. Je pense donc qu'il faut arrêter de normaliser ces situations. C'est un peu ce que nous sommes aussi en train de voir avec les jeunes qui font une école de théâtre ou une formation dans le monde du spectacle. À une certaine époque, on considérait que ces comportements faisaient partie d'un certain jeu. Maintenant, cela n'est plus ainsi. Les femmes dénoncent et les organisations disent « on ne peut plus laisser passer tout cela ». C'est pour cela que les protocoles sont si importants. Il s'agit d'un point que nous avons inclus dans notre réforme. Les organisations politiques doivent compter sur des protocoles contre le harcèlement. Il s'agit d'un point indispensable. Non seulement l'existence de ces protocoles, non seulement la mise en œuvre des protocoles, mais aussi et surtout le volet de la prévention. La prévention et la formation pour qu'il puisse y avoir vraiment une évitation de toutes ces situations d'agression ou de violence exercées contre les femmes. Un autre des points par rapport auquel nous avons beaucoup progressé dans notre Parlement, et là, Tania a participé à l'élaboration du plan. Nous devons nous sentir très fiers d'avoir un Parlement qui compte sur un outil très transformateur comme ce plan. Mais comme je disais hier, par exemple, lorsque nous nous engagions à signer contre l'agression, eh bien, il y a eu les députés du parti d'extrême droite qui ont refusé de signer cette déclaration. Il y a donc 11 élus, hommes et femmes, qui n'ont pas accepté de signer leur engagement de tolérance zéro face aux agressions. Ils vont être là à travailler avec le reste du personnel, mais ils disent qu'en cas de violation des droits des femmes, ils ne se prononceront pas pour la tolérance zéro. Et moi, je pense que le plan d'égalité qui a été approuvée dans notre Parlement ne doit pas être une option, ça doit être une obligation. Il faut trouver les mécanismes nécessaires pour que les personnes qui refusent la tolérance zéro face aux agressions ne puissent pas devenir députées du Parlement catalan. Je pense donc que tous les pas que nous sommes en train d'entreprendre sont maintenant en train de nous mener à une situation où nous pensons que maintenant nous devons être beaucoup plus taxatifs et obliger la politique à respecter ces principes fondamentaux des droits humains et à éviter toutes sortes de discriminations contre les femmes. Merci beaucoup, Shoshana. Nous allons maintenant passer la parole à notre députée du canton du Jura, Madame Géraldine Beuchat. Vous avez la parole, madame. Par rapport, par exemple, à ces possibles situations de violence machiste vécues. Oui, alors effectivement, c'est un sujet auquel on est souvent confronté en tant que politique, qu'il soit par des collègues qui sont touchés ou pour soi-même. Il y a plusieurs points que Susanna a déjà relevés, mais je vais peut-être vous faire part d'expérience. J'ai plusieurs mandats politiques. Et c'est quelque chose qui me semblait, j'avais déjà entendu parler de la violence faite envers les femmes, mais c'était souvent de loin. Et là, j'ai malheureusement vécu un cas compliqué où certaines personnes n'admettent pas, certains élus n'admettent pas d'avoir des femmes
en guillemets, en concurrence. Et ils se donnent tous les moyens possibles pour, d'une manière verbale, avec une violence verbale, de dénigrer la personne, de faire en sorte que ces projets ne fonctionnent pas. Et là, ce qui a été compliqué concernant, c'était déjà c'était une remise en question. On prend d'abord pour soi, on se dit qu'est-ce qui se passe, est-ce que je fais faux. Alors, il semble que c'est quelque chose que les femmes ont souvent. Hein, on se culpabilise d'abord. Et au bout d'un moment, c'est les personnes de l'extérieur qui nous disent « Mais là, il ne faut plus te laisser faire et il faut réagir. » Mais souvent, c'est très subtil et c'est difficilement explicable quand ça arrive. Mais cette violence verbale peut être très forte et très difficile à en guillemets, à digérer. Ce que je me suis aussi rendu compte et ce qu'il faut absolument qu'on puisse améliorer, c'est que une de mes collègues m'a accompagnée vers une personne qui pouvait être de bons conseils pour essayer de sortir de cette situation. Et qu'est-ce que on se rend compte, c'est qu'on n'a pas d'outils pour se défendre par rapport à ça. C'est déjà compliqué à faire comprendre ce qui se passe parce qu'on n'est pas forcément dans le milieu politique. Et faire aussi comprendre qu'on n'est pas là en train de se plaindre et c'est pour essayer de prendre le dessus. Non, c'est juste pour que les choses soient correctement faites. Et j'étais vraiment navrée de ne trouver aucun outil qui était à disposition pour me sortir de là. Heureusement que j'avais des collègues qui m'ont soutenue dans la démarche. Mais pour finir par rapport à cette expérience-là, où j'ai quand même les bras me sont tombés quand allant chercher de l'aide, puis une appréciation d'un autre élu qui m'a répondu de demander de l'aide à mon mari qu'il intervienne vers un autre élu. Donc, comme de transférer à mon mari la résolution de ce problème. Les bras m'en sont juste tombés. Et c'était juste incroyable qu'on me propose ça à l'époque où l'on vit. Le problème, c'était l'autre élu et ce n'était pas quelqu'un de ma famille à aller résoudre ça. Bref. Une autre chose au niveau de la violence que je trouve importante et qui m'a toujours beaucoup surpris, Susanna l'a aussi relevé tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'une élue, enfin très très souvent quand on parle d'élu féminin, c'est on les regarde toujours selon leur aspect physique, comment elles s'habillent. Et là, souvent il y a un vocabulaire qui est utilisé qui est scotchant. Alors celle-là, elle est bonne. Voilà, ça c'est des choses qu'on entend très fréquemment et c'est juste et de la part d'élus. Et enfin, j'ai jamais entendu des femmes députées juger les habillements d'un élu masculin. On s'en fiche finalement. Chacun doit pouvoir s'habiller de la manière dont il se sent bien. On fait pas de la politique par rapport à son habillement, mais très souvent on entend. De l'aspect physique compte pour la femme. Et j'ai même surpris une conversation d'élus de mon parlement qui faisait un classement des femmes selon la beauté, selon leur perception à eux. On a l'impression d'être c'est de l'enfantillage et puis qu'on est dans une cour d'école. Et encore, ça ne devrait pas arriver dans une cour d'école, hein, mis à part. Mais voilà, donc ça, c'est quand même un aspect qu'il faut arriver à gommer. Et malheureusement, les médias interviennent là aussi. Par exemple, d'ailleurs, il y a eu des très fortes réactions. Certaines fois, on décrit une députée par rapport à son habillement dans des articles de presse. Alors, heureusement que maintenant, il y a des réactions et il faut qu'il y en ait de plus en plus de ces réactions pour que ça ne se reproduise tout simplement plus. Et puis, un autre aspect aussi qui est compliqué à gérer, mais voilà, il faut aller de l'avant et je reste optimiste, mais c'est vrai que quand on est dans une commission à majorité masculine, on a pour amener des choses...
En tant que femme, déjà, on doit travailler, il me semble, beaucoup plus dur. Enfin, c'est peut-être un sentiment, mais on doit beaucoup plus donner nous, parce qu'on a toujours l'impression qu'on doit être vraiment dans le haut, hein, malheureusement. Hein. Mais voilà, quand on arrive dans ces commissions, qu'on propose des choses, souvent, j'ai eu l'impression, parce qu'on a des voix aussi moins portantes, hein, on a des voix plus douces, et ben c'est compliqué, de certaines fois, de se faire entendre. Et Susanna l'a très justement dit, certaines fois, on amène la chose, on amène le problème sous un angle. Il n'est pas retenu parce que, alors peut-être que c'est moi qui ne savais pas m'exprimer comme il le fallait, mais moi j'ai plutôt le sentiment que c'est parce qu'on a moins de volume de voix, c'est moins facile pour nous de l'exposer, et un homme fait la même proposition 5 minutes après et elle est retenue. Et ça m'est déjà arrivé un nombre de fois incalculable. Du coup, j'ai essayé de prendre des cours pour essayer de faire passer des idées. Et voilà, donc il y a aussi la personnalité de la personne, ça certes, je l'entends, mais il n'y a pas que, il y a quand même l'aspect d'imposer de mes collègues masculins qui est différente, et on est peut-être moins à l'écoute, enfin ils sont peut-être moins à l'écoute de ce que l'on dit. Voilà pour quelques expériences en lien avec ces violences qui restent malheureusement nombreuses et qu'il faut continuer à arrêter, enfin faire en sorte pour qu'elle s'arrête, c'est important, et on doit vraiment évoluer de ce côté-là. Muchas gracias. Jen, merci beaucoup. Jen, je ne sais pas, Jen Diaz, si toi aussi tu as des expériences pareilles. J'aimerais moi aussi ajouter un autre élément. Pensez-vous que lorsque vous présentez des positions féministes au Parlement ou dans les réseaux sociaux, pensez-vous que lorsque vous adoptez des positions féministes, ces agressions et ces violences augmentent? Oui, en fait, moi, j'aimerais aussi reprendre l'éponge de Susanna lorsqu'elle parlait de la violence numérique, parce qu'il s'agit là d'une des violences les plus fortes que nous recevons. Dans le domaine institutionnel, il y a toujours une correction politique. Il n'y a donc peut-être pas des atteintes directes des collègues, parce que il est évident que dans les institutions, il y a certaines choses qui ne seront jamais dites. Mais par contre, dans les réseaux sociaux, l'anonymat fait en sorte que nous recevions beaucoup de violence avec cette violence numérique. Et c'est une violence qui finit par nous conditionner. Par exemple, moi, je sais toujours où je serai attaquée sur les réseaux sociaux. Lorsque je réponds dans une interview, dans un entretien, je sais toujours quelles vont être les réponses qui vont recevoir une attaque, une atteinte. Et ceci donc conditionne mon souhait de pouvoir m'exprimer librement. Évidemment, chaque fois que nous proposons un pas en avant, comme par exemple ce plan d'égalité ou par exemple le plan de signes, de panneaux des toilettes dans le Parlement, nous recevons des infos. Moi, j'essaye toujours sur mes dispositifs de ne pas être conditionnée par ce que disent les personnes sur les réseaux sociaux. J'essaye toujours de ne pas mettre donc dans mon analyse les violences que je vais subir. Il est évident qu'en politique, la critique féroce est un fait. Mais si nous parlons avec la personne chargée des réseaux sociaux du Parlement catalan, la critique se fait toujours à partir de deux voies. Nous ne critiquons pas le fait d'être critiqué politiquement. Ce que nous critiquons, c'est que les mots et le contexte sont toujours sexualisés. On joue toujours avec la terreur sexuelle, avec les viols, avec la persécution, avec notre aspect physique. Par exemple, il y a 2 jours, une députée portugaise parlait d'agression dans les réseaux sociaux contre elle. Et je reviens donc à l'affaire Nevenka en Espagne, parce que maintenant il y a eu cette mini-série.
portant donc sur cette femme qui a subi des violences dans le monde politique. Bon, une chose, c'est l'affaire judiciaire. Et aussi ce procès social, n'est-ce pas? Comment la société te juge, où il y a une remise en question de la victime constante. Moi, personnellement, je n'ai pas été agressée au-delà donc de ces atteintes dans les réseaux sociaux. Je n'ai jamais subi d'agression directe, mais comme disait Shoshana, je fais partie d'une législature où les cas ont augmenté. En fait, ces protocoles et ces plans d'égalité doivent être des outils vivants et donc des outils qu'il faut parfaire. Mais j'aimerais ici faire un constat. Même si je n'ai pas subi ces violences directement. Le constat passerait donc tout d'abord par la prévention, mais aussi par la résolution du conflit, c'est-à-dire il faudrait écouter les victimes. Parce que dans le patriarcat, par rapport au patriarcat, le machisme, ce sont des choses que nous ne pouvons pas résoudre immédiatement. Mais par contre, la réparation dépend de nous. La réparation est dans nos mains. Il faut donc faire une écoute attentive, active et disposer d'outils comme par exemple le protocole et tous les outils dont nous disposons et mettre tous ces outils, comme je disais, donc sous réexamen. Il faut les réexaminer constamment parce que la réparation, elle dépend de nous. Le patriarcat, c'est un petit peu plus compliqué, mais la réparation, par contre, dépend de nous. Et c'est là où nous avons un long chemin à parcourir pour ne pas nous centrer dans la résolution du conflit moyennant la famille ou les résolutions judiciaires ou par le biais des dénonciations anonymes ou publiques. Parce que ce questionnement, donc cette remise en question constante des victimes, c'est un point que nous devrions essayer de résoudre. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment à notre portée. Merci beaucoup, Jen. J'aimerais poser la même question à notre députée de Genève, Dilara Berak, et j'aimerais savoir si cette intersection de genre et âge vous a mené à des formes spécifiques de violence ou de discrimination. Madame Berak, vous avez la parole. Merci. Mais je pense que je vais boucler la boucle. C'est très parlant, les témoignages qui ont été amenés tant par Jen que Susanna, que Géraldine. En fait, la base de ces vécus, ben moi, je me retrouve dedans. Après, l'expérience politique me manque peut-être. Moi, je n'ai pas une expérience politique qui est énorme dans la durée. Mais je pense que déjà maintenant, j'ai pu faire ces constats et vivre ces violences déjà à mon échelle. Quand on parle de pouvoir nommer la violence, je pense que c'est là le plus gros problème, en tout cas pour moi, parce que on a tellement internalisé cette façon de vivre et cette façon de faire que justement on se dit, eh bien voilà, il y a des règles spéciales au sein des parlements, c'est comme ça que ça se passe, c'est à nous de s'adapter et puis peut-être qu'avec le temps on pourra le changer. Sauf que comment est-ce qu'on peut changer, par exemple adopter un plan d'égalité comme vous l'avez fait? Moi je suis juste admirative de ça. Nous c'est inimaginable parce que justement il y a une majorité d'hommes, donc comment est-ce qu'on peut forcer dans un parlement à adopter ce genre de plan d'égalité quand on sait que la majorité n'est déjà pas d'accord? Donc c'est le serpent qui se mord la queue, où on se dit, ben voilà, pour pouvoir adopter des lois qui sont, ben voilà, émancipatrices, qui défendent les femmes, etc., il faudrait qu'il y ait plus de femmes au sein des parlements. Pour qu'il y ait plus de femmes au sein des parlements, eh bien, il va falloir élire plus de femmes au parlement. Pour pouvoir les élire, eh bien, il faut mettre des mesures en place pour qu'elles s'y retrouvent. Et on revient exactement au premier point de la première question. Typiquement, ce que Susanna disait, eh bien, voilà, il faut pouvoir leur permettre de faire en sorte que les institutions politiques soient compatibles avec le fait d'être une femme ou d'avoir une responsabilité en tant que femme. Et c'est le serpent qui se mord la queue et souvent on se retrouve en tant qu'individu, en tant que femme individuelle à un instant T, assez désespéré pour être honnête. On se dit, mais oh mon Dieu, il y a tellement de travail à faire, on ne va jamais réussir. Et pour les
cas où on arrive réellement à se mobiliser au sein du Parlement et créer une sorte de vague en disant, eh bien, maintenant, il y a un sujet, il va falloir changer casasser cette boucle, se dire, ben, maintenant, tout ensemble, en tant que femmes, on se regroupe, peu importe les partis politiques. Eh bien, même comme ça, on n'arrive pas parce que n'y a pas de sororité, il n'y a pas cette solidarité entre femmes. En tout cas pas toutes, parce qu'elles ne souffrent pas du patriarcat comme d'autres, parce que voilà, justement, il y a une intersection des luttes qui se fait. Certaines femmes vont avoir plus de tolérance par rapport au patriarcat parce qu'elles ne souffrent pas de la même manière que d'autres. Et du coup, ça fait qu'elles ne se mobilisent pas de la même manière, et ce qui fait que ça désunit les mouvements féministes, même au sein des institutions politiques. Quand on essaye de dénoncer qu'il y a des faits qui se font pas, qui doivent pas se faire au sein d'un parlement, quand on essaye de dire, eh bien voilà, là il y a un réel problème, il faut que en tant que femmes nous nous mobilisions toutes ensemble pour pouvoir dénoncer ça, eh bien on va nous dire, oui, mais vous avez pas compris, c'est de la politique, justement, on vous attaque pas vous, il faut comprendre que la politique, c'est fait de confrontation, les règles sont comme ça, vous êtes un peu, voilà, encore une fois dans la victimisation, de dire, mais vous avez pas, en gros, vous ne savez pas faire de la politique. Et encore une fois, on retombe dans ce que disait Géraldine, on retombe dans ce que disaient mes autres collègues Jen et Susanna, on retombe dans le fait de se dire, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est moi qui suis trop sensible? Est-ce que c'est moi qui suis trop fragile? Et puis, je pense que moi, à titre personnel, je suis très sensible à ça parce que, justement, je me dis, je n'ai pas une énorme expérience de vie, j'ai 23 ans, je vis toujours avec ma mère, donc ça en dit long sur mon expérience de vie. Je me dis, il y a encore beaucoup de choses que je dois voir, mais en réalité, non, et je vais bien apprendre de cette discussion-là, c'est que, le problème, il vient de l'institution, il vient du patriarcat, il vient du fait que les choses ne changeront pas si on ne fait pas les choses pour qu'elles changent. Et cette discussion aura au moins le mérite de m'avoir fait économiser le temps de la remise en question de soi. Et j'espère qu'on pourra faire avancer les causes. Le problème, quand on est une jeune femme en politique, il est exactement pareil. Il y a des différences, bien sûr, mais les questions qu'on se pose tant sur l'aspect physique, de se prendre des remarques du type « Oh, mais t'as maigri » ou « T'as grossi », ce genre de choses. Je t'ai rien demandé, laisse-moi tranquille. Je vis ma vie, je fais mon travail de parlementaire. Pourquoi est-ce que tu dois ramener ça à mon physique ? Le fait de pouvoir occuper l'espace, là, ce qu'on est en train de faire, moi, je suis attentive au temps de parole que je prends. Le fait de prendre la parole et de l'occuper entièrement pendant toute la période de prise de parole est quelque chose de très difficile pour moi, que je dois apprendre à déconstruire, de me dire, maintenant tu as la parole, tu as le droit de parler et de dire ce que tu veux pendant le temps que tu as. Et bien souvent, ce genre de réflexion, les hommes ne se font pas du tout. Ils se disent, je peux parler, je parle autant que je veux, et des fois même un peu trop, alors qu'on va voir dans les débats parlementaires, les femmes prennent moins la parole, et quand elles la prennent, elles le prennent pour moins de temps. Donc il y a beaucoup d'aspects comme ça qui sont symptomatiques de la société patriarcale, et c'est ça le gros challenge, c'est de pouvoir nommer la violence et de se dire, tiens, cet aspect, ça fait aussi partie du patriarcat, le fait de ne pas pouvoir être à l'aise quand on prend la parole, de se faire critiquer sur son physique, ou juste faire des remarques, il n'y a même pas besoin d'être critique sur le physique pour que ce soit sexiste. Et tous ces aspects, en fait, qui vont toucher, mais des points où on n'aurait même pas pensé. Il faut vraiment prendre du recul et se dire, est-ce que cette personne aurait fait la même chose si c'était un homme ou un homme plus vieux qui a subi ce commentaire, qui était destinataire de ce commentaire. Donc voilà, tous ces aspects font que c'est compliqué. Et puis sur un point humain, de se dire, on est peut-être parlementaire, on est peut-être active en politique, on est militante, mais on reste des humains, enfin en fin de journée, on a quand même nos sensibilités.
Et du coup, de pouvoir jouer sur ces deux aspects, de se dire, voilà, ben voilà, maintenant, je mets mon bouclier de parlementaire, je sais que je devais m'attendre à ces critiques, à ces remarques, etc. Et puis, de l'autre côté, au final, on reste quand même touché, même si on se dit, voilà, c'est normal, justement, c'est ça qu'il faut déconstruire, mais le fait est que dans la réalité, dans le quotidien, eh bien, il y a une accumulation de ces choses, et en plus sur le temps, en plus sur la durée, qui fait que ça devient très difficile. Et puis, au bout d'un moment, ben, je comprends pourquoi un certain nombre de femmes disent juste, ben, ça suffit, moi, je veux améliorer la collectivité, mais je compte aussi, j'ai aussi une valeur, et puis la politique, est-ce que ça vaut la peine que je me détruise entièrement? Est-ce que ça vaut la peine que je vive en reclus de la société en disant, ben voilà, moi, j'ai juste plus l'énergie de me battre contre tout ce système, contre toutes ces personnes qui peuvent, encore une fois, comme je l'ai dit à ma première prise de parole, ne pas être méchantes, qui, à première vue, sont vraiment des personnes très sympathiques avec qui on peut parler, mais qui, malheureusement, ont été inculqués dans un contexte qui font que voilà, ils sont privilégiés, ils s'en rendent pas compte. Et puis le fait même de questionner ce privilège fait que on va être tout de suite taxé d'extrémistes, de trop gauchistes, de je ne sais quoi, avec tous les termes qui finissent en iste et qu'on n'aime pas entendre quand on est militant parce que ça décrédibilise la situation. Donc voilà, je sais que j'ai tiré un enseignement de ces discussions avec nos collègues catalanes, parce que voilà, je passerai moins de temps à me remettre en question en sachant que le problème il vient d'ailleurs. Merci. Moltes gràcies, Jean Díaz, moltes gràcies, Susana Segovia, moltes gràcies, Geraldine. Merci beaucoup. Merci à toutes les quatre, Jeanne Díaz, Susana Segovia, Géraldine Beauchat, Adila Haberhak, de partager vos expériences. Je crois que c'est très, très clair qu'il faut améliorer dans les cadres politiques, et un jour comme aujourd'hui, donc on doit travailler dans ces cadres politiques et avec les partis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier aussi, comme disait Tania Verger. Merci à Jeanne Díaz, Susana Segovia, Géraldine Beauchat et Dila Haberhak. On vous remercie énormément depuis la délégation, les temps que vous avez consacrés aujourd'hui. On apprend beaucoup. On a appris beaucoup avec ces débats. De tout ce que vous avez dit, je pourrais vraiment souligner beaucoup de choses, mais je vais en mettre en exergue deux. L'importance d'écouter les victimes, en particulier de leur donner de l'espace, puisque, comme disait Jeanne Díaz, le patriarcat, ce n'est pas quelque chose qui va changer en 24 heures, donc il faut commencer par écouter les victimes. Et un deuxième point, la députée Bérac soulignait l'importance de ne pas normaliser des situations qui font partie de votre jour le jour. Ça, c'est un premier pas pour en être conscient et pour pouvoir commencer à transformer la réalité. Alors, je vous remercie à nouveau votre temps et vos interventions, et je cède la parole à la secrétaire d'Action extérieure de l'Union européenne qui va clôturer cet acte. Merci. Très bien, bonjour à nouveau à tous et à toutes. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de pouvoir clôturer cet événement sur les femmes et la politique, en particulier avoir écouté vos réflexions et vos sentiments que vous avez bien voulu partager avec nous, en mettant l'accent sur la violence explicite qu'ont subi les femmes en politique ou en dehors de la politique, et le biais aussi qui n'est peut-être pas si évident, mais qui est le résultat de faire partie d'un monde qui est conçu et pensé par les hommes. Alors merci Tania, Jeanne, Susana, Géraldine, Dilara, de vos témoignages et réflexions. La discrimination par raison de sexe est la plus ancienne et universelle des inégalités. Un exemple clair de ces faits est que les femmes ne font pas partie de récits historiques à cause
d'une idée androcentrique claire. Et les peuples qui existent étaient victimes des structures patriarcales de pouvoir, puisqu'elles en subissaient donc un harcèlement direct ou parce qu'elles étaient obligées à regarder dans les miroirs de femmes pour consolider leur propre position. Par exemple, Elisabeth Ier d'Angleterre et son discours connu aux troupes militaires. Elle disait, par exemple, je suis une femme, mais j'ai le cœur et l'estomac d'un roi. Nous avons le son qui se coupe un peu, donc nous avons raté là une petite information. En tout cas, donc même une pharaon est représentée avec une barbe. Lutter contre des structures de pouvoir machistes qui vont déjà très loin dans l'histoire, ce n'est pas seulement notre devoir et notre obligation, c'est tout simplement une question de justice. Je disais au début de cet événement que selon un rapport qui vient d'être publié, on représente seulement les 18% de sièges, les 24% de sièges parlementaires et les 18% de ministres. On représente maintenant en Catalogne les 47% de l'hémicycle parlementaire en Catalogne. Et c'est une donnée historique, effectivement. On n'avait jamais atteint ces taux, même si on est les plus de 51% de la population. Mais si on regarde les données de l'Institut des femmes en Catalogne, même si le taux d'égalité en Catalogne est supérieur à la moyenne, l'inégalité dans les sphères de pouvoir est très claire. Dans le pouvoir politique, on représente les 40% de conseillères, même si on a les 22% de mairesse, ou par exemple dans les pouvoirs économiques, qui est encore moins représenté. Malgré tout, même si je partage les sentiments de toutes, je crois que nous sommes beaucoup à être déterminés et à vouloir suivre l'idée que disait, on ne veut pas que les femmes aient du pouvoir sur les hommes, mais sur elles-mêmes. Dans ce sens, on veut de l'autonomisation, on veut une politique extérieure féministe pour travailler justement sur cette autonomisation de femmes. C'est ce que nous avons souligné dans les stratégies méditerranéennes, l'agenda 2030, pour avoir cette importance de représentation des droits, des ressources et des recherches pour donner de l'élan à réduire les inégalités. On veut que la politique extérieure féministe ait une continuité et aille de pair avec l'impulsion d'un département d'égalité et féminisme dans la prochaine législature. De la même façon que la Suède, même si aussi a beaucoup de contradictions, donne une impulsion à une politique extérieure féministe depuis 2014. Une initiative qui d'ailleurs a été aussi suivie par d'autres pays européens et même par la Commission européenne. On va retrouver des résistances, sans doute. Il faudra être attentif pour faire face à toutes sortes d'attaques machistes qui souhaitent perpétuer des privilèges et un pouvoir masculin. Nous l'avons vu avec des chiffres de féminicides et la violence sexiste qui a été exacerbée en Europe pendant le confinement. Il y a beaucoup de femmes qui luttent pour les droits civils et qui, par exemple, il y a des femmes qui ont été kidnappées en Nigeria, par exemple, la semaine dernière, par exemple. Chelle Fleischer expliquait comment en Afghanistan, trois femmes journalistes qui travaillaient pour une télévision ont été tuées. Donc, c'était un assassinat sélectif lorsqu'elles rentraient à la maison. C'était un attentat revendiqué par l'État islamique et qui, Fazia Koufi du Parlement, a dit, vous voulez justement faire un génocide des femmes pour vous libérer de nous, mais vous n'allez pas gagner. Nous allons lever et nous relever une fois et une autre fois. Des voix comme celle de Fazia, comme d'autres activistes de droits humains, comme par exemple le débat aussi avec la Suisse au mois de décembre. Tous ces cas sont des exemples qui doivent
doivent nous donner la force pour aller de l'avant. Elisabeth Première, après 50 ans, a laissé un pays avec croissance d'un point de vue culturel, économique, artistique, et nous voyons que la Nouvelle-Zélande ou la Finlande, des pays dirigés par des femmes, ont montré une meilleure capacité de gestion avec la COVID-19. On voit que le leadership féminin arrive à promouvoir des situations beaucoup plus stables. Donc, on a besoin de beaucoup d'autres femmes référentes. Et je finis, je voudrais remercier de nouveau les oratrices qui nous ont accompagnées aujourd'hui, leur énorme travail, tant au niveau personnel que politique et académique, parce que nous savons que tout ce qui est personnel est aussi politique pour avancer dans cette lutte qui est commune de toutes les femmes, mais aussi de tous les hommes, dans ce but d'atteindre une société plus juste et plus égalitaire. Et merci aussi à toutes les personnes qui nous ont accompagnées au long de cet événement. Je vous souhaite une très bonne journée avec beaucoup de revendications, de luttes, comme tous les restes de jours de l'année. Bonne journée à vous tous et merci de votre attention.